Bonjour à tous. À propos de fonction et de l'instruction fonction dans GeoGebra. Comme exemple, j'introduis dans la saisie f de x est égal à moins x au cube plus 2x au carré. Enter. Et le voilà, le graphique de cette fonction. Maintenant, je souhaite tracer la tangente à ce graphique en un point du graphique. Pour cela, positionnons d'abord un point sur le graphique. Voilà. Et maintenant, nous activons l'instruction tangente. D'abord, on clique sur le point, clic, et puis sur le graphique, clic, et là voilà la tangente. Et ce qui est super, c'est que quand on tire le point A, mais la tangente bouge en conséquence. Pour ce qui suit, nous n'avons plus besoin de cette tangente ni du point A. Si on souhaite dériver cette fonction et tracer le graphe de cette dérivée, il suffit dans la saisie d'introduire la fonction f qu'on vient de définir et puis le prime, enter, et voilà la dérivée ainsi que son graphique souhaité. Si nous souhaitons non pas représenter tout le graphique de la fonction f, mais par exemple juste la partie dans l'intervalle moins 1, 2, alors on utilise justement l'instruction fonction. Dans la saisie, je tape fonc. Moi, j'ai tapé les quatre premières lettres et je vois déjà apparaître trois instructions concernant une fonction. Pour ce qu'on souhaite faire ici, on choisit la deuxième, la fonction que nous voulons réduire, mais c'est la fonction f. Donc là, j'introduis le f. Maintenant, sur le clavier, je tape sur tabulateur. C'est fait. Le domaine de définition est réduit à l'intervalle moins 1, 2. Donc maintenant, là, j'introduis moins 1. Puis de nouveau, la touche tabulateur. Et puis le 2. Enter. Et voilà, le graphique réduit. On va faire disparaître le graphique de f et nous voyons bien que GeoGebra n'a dessiné que la partie du graphique définie dans l'intervalle moins 1, 2, comme on le souhaitait. Comme tâche correspondante, je propose de préparer la présentation suivante. Regardez. La fonction sinus est réduite à l'intervalle moins pi demi, pi demi. Voilà le graphique de l'arc sinus. Et voilà la dérivée de l'arc sinus. Bon amusement !